not only as an actor, but in your personal life, what's the best thing in your Versailles experience? Why do you want to ask this and get me emotional? Him, I think. No, I didn't mean that. In regards to very rare does it happen that you make friends on a show, period, because you're all colleagues. You don't have to make friends. You can turn up to your job, be pleasant and polite, on time, learn your lines, be creative, and then leave. And we were all thrown in the deep end to get along. And from the show, me and Evan could have drifted apart just because there's a whole fucking ocean between us. And we made a conscious decision to, we both did make a conscious decision to remain in touch and hang out and talk. And I think since pandemic time, the last 3 years, he is my best friend and I count him as one of the best people I know, period. And being so lucky to gain someone like him, his view of life completely counteracts mine, and that's why I adore him, because he offers me sometimes the complete light when I'm in the dark and vice versa. But it's mad, because it's kind of crazy to have taken someone like him from a show that we met 10 years ago next year, so it's like it's insane that that has stayed. That's my answer. They're not even translating, they're like, fuck that. You can be with it. Okay. I want to echo everything that Alex just said. I mean, he said it beautifully. You don't always make a friend on a show, period. And even more rare when it's on a period show. And that was a joke. And Alex is... Alex and I just got so lucky finding a partnership that we didn't expect and the show didn't expect, and they were smart enough to run with it, and we were lucky enough to have the opportunity, and then it's not a surprise to me that we've been able to stay not only in touch but stay creatively in contact, making more things to come in the future. So yeah, definitely the relationships on the show, Alex most especially, and for me, the ability to actually work in Europe was a first for me. Like, to live in Paris was an absolute dream, and everything was wrapped together in that. So I just was blessed top to bottom, no complaints ever at all. Alex disait qu'il ne s'attendait pas forcément à être ému par ce genre de questions, mais effectivement, sa réponse, même si elle peut paraître cliché, ce serait de dire que la meilleure chose que Versailles a pu lui apporter, que ce soit professionnellement ou personnellement parlant, c'était justement Evan, en tant que collègue, puis ensuite en tant que meilleur ami, après les années, après avoir passé autant de temps sur le tournage ensemble. Il disait que justement, ils auraient pu juste être collègues, mais ils ont fait le choix conscient de rester proches malgré la distance qui les séparait très très littéralement un océan entier finalement entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Ils ont fait ce choix conscient de vraiment rester dans la ville l'un de l'autre et de garder contact et de continuer à se voir, s'appeler dès que possible, et même ce pendant la pandémie où finalement on était tous très très séparés, mais malgré ça ils ont quand même réussi à rester proches, et ils disaient que grâce à tout ça il a gagné un meilleur ami et que leur personnalité se complète extrêmement bien, qu'ils arrivent tous les deux à s'apporter un peu de lumière dans les ténèbres qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Et du coup, comme c'est quelque chose de très réciproque et de très mutuel, et du coup, il est extrêmement reconnaissant de l'avoir encore dans sa vie, et ce, malgré le fait que ça fait déjà 10 ans depuis le début de Versailles. Donc, très reconnaissant. J'avais dit qu'il avait pire que ça. Plus long comme réponse. Du coup, Evan, il a dit que c'était quand même très rare d'avoir
de former des amitiés aussi profondes sur un tournage. Et que ce partenariat qu'ils ont, cette relation qu'ils ont tous les deux, c'est quelque chose qu'ils n'anticipaient pas en commençant la série, et quelque chose que la production non plus n'avait pas anticipé, mais qu'ils ont été assez... qu'ils ont repéré et qu'ils ont été assez intelligents pour exploiter dans la série. Et ils sont restés en contact, c'est quelque chose d'incroyable, et que aussi, ils sont aussi amis avec d'autres acteurs de la série, même si Alex reste le plus important pour lui. Et puis aussi pour Evan, c'était la première fois qu'il travaillait en Europe, donc tourner dans Versailles, c'était l'occasion de travailler en Europe. Et d'habiter à Paris, qui n'est pas du tout. But it just so happened that we were cast from different sides of the world. I personally was cast after doing one tape that I shot in a hotel room in Canada, and I didn't meet Alex until we met. Had a rehearsal that same day, and then... But you were cast, so he wasn't. It wasn't like, they call it a chemistry meeting, when they're thinking of you, and they mix and match you. But like, we were signed contracts, Evan had moved into Paris, it was done, so yeah. It could have been a disaster, but it was a huge risk on their part, but it just happened to pan out for all of us. Which is kind of crazy, because chemistry like this doesn't come around very often. Maybe so, never. Yeah. You good? Yeah, great. None of that's done. Yeah, so it's rare and it's lucky, and like Ev said in the previous question, they saw on screen what we were doing and how we worked together. And then I think season two is the perfect example of a season where they go, okay, let's write some narrative around us, predominantly. That's why people, I think some fans really love season two, because of there's more longevity than any season. It's kind of very like, because they were writing for us, they were fitting the words to how we performed, you know, wasn't it? And they let us play to our strengths. Yeah. Which was playing off each other. So. Yeah. Next question. That whole fight sequence in season two was improvised into what we were providing anyway. So yeah, they were smart. Thank you. Okay. They were smart and we were lucky. I'll say, yeah. So I'm gonna translate for both. To each other. donc elle a demandé quel était le processus pour le casting, pour les auditions. Et donc, en fait, il disait que ça fait sens, eux deux, dans la série, et on voit aussi en vrai, mais qu'en fait, ils n'ont pas auditionné ensemble. Donc, Evan, il a fait une audition, enfin, ils ont fait des auditions en fait, dans deux parties du monde totalement différentes. Evan, il a auditionné au Canada, et il a été pris après une audition. Et en fait, ils n'ont pas fait de test d'alchimie, en tout cas pas en vrai. Ils ont attendu de se rencontrer pour des tournage, enfin pour les premiers tests pour la série, et que du coup c'était quand même un gros risque, que ça aurait pu être une catastrophe, parce que c'est, ils ont une relation amoureuse, donc il faut que les acteurs aient beaucoup d'alchimie, mais que c'était un peu un gros risque, compris les producteurs, et que surtout en fait entre acteurs, l'alchimie c'est, ça vient pas toujours en fait, c'est pas aussi simple que ça, c'est pas parce qu'on a joué des amoureux qu'on a de l'alchimie. Mais que là, vraiment, ça a bien marché, ça a très très bien marché, et que la production, ils l'ont vu. Et du coup, ils ont, comme vous disiez avant, ils ont fait le choix de vraiment continuer sur ce chemin. Et donc, du coup, dans la saison 2, après avoir vu la chimie entre Evan et Alex, ils ont écrit plus sur leurs deux personnages, en fait. Et du coup, ils ont écrit plus de scènes ensemble, ils ont développé plus leur relation. Et finalement, dans la saison 2, c'est là où il y a le plus de Manchevi, du coup, monsieur et chevalier, on voit plus leur relation. Et que du coup, Alex avait souvent la saison préférée des fans, et c'est sûrement à cause de ça, plutôt grâce à ça. Et donc Evan a rajouté que ce qui était bien, c'est qu'on leur avait vraiment, dans cette saison, laissé jouer sur là où c'était le plus fort, notamment la scène où ils se bagarrent. C'est quelque chose qui peut-être, s'ils n'avaient pas eu cette alchimie, n'aurait pas été de base dans le script.
Thank you.